Nächtens war ich trunken in einem seltenen Loch, bin gleich darin versunken, weil Land trank ich wohl immer noch, weil Land trank ich wohl immer noch. Beide Arme kraftvoll stehen mich aus des Lolles Grund, wollten trotzig Held nicht fallen sehen, lustigen Becher in den Grund, lustigen Becher in den Grund. Thank you.
J'appelle ça des ersatz de sculpture parce que justement, ce sont des objets, des restes que j'ai juste mis ensemble. Mais non, c'est parce que je pense qu'au contraire, que je ne suis pas sculpteur du tout. Pour moi, la sculpture, c'est attaquer la pierre ou malaxer la terre pour que ça devienne quelque chose, et si possible, de très grand. Donc voilà, j'appelle juste ça des ersatz de sculpture. Ce sont des restes. D'où me vient cette obsession des eaux? Ça représente la nature humaine, ça retourne à la terre. Non, ce n'est pas pour cela, je ne peux pas y mettre les muscles concrètement dessus. C'est à échelle humaine que je peins. J'attends que nous allions dans l'espace, mais c'est vraiment à échelle humaine, tout ce qu'on s'est construit, tout, que ce soit notre philosophie, que ce soit notre littérature, tout ça c'est pour l'être humain avec lui-même, au contact des autres, donc c'est un matériau d'expression. Et le premier que l'on m'a offert, c'était le crâne, comme ça m'a assez plu, ensuite j'ai voulu poursuivre un peu plus loin. Et puis voilà. Celui-ci, là, ici au-dessus, c'est du caoutchouc que j'ai trouvé par terre, que j'ai découpé, collé. Au début, ce n'est qu'un fruit, découpé, avec une trace des mains, comme ça, toujours pour le cri de mouche, bien sûr. Donc, certains ont des matériaux qui ne valent rien du tout. Mais d'autres, par contre, celui-ci, c'est tout de même un fémur humain, donc, si ce n'est qu'un peu de respect. Ici, c'est l'arrière, comme j'ai dit, d'un dauphin, l'arrière du crâne d'un dauphin, au niveau ici de la dernière vertèbre. Cette ouverture très béante et féminine. Et puis voilà, je ne sais que dire de plus. Des clous, de vieux clous, trouvés par Alan. Objet que je trouve beau, même à l'intérieur, et pas forcément ensemble, les deux, et c'est tout. Que dire de ces choses? Il y a juste une chose dont je me suis rendu compte, en tout cas, c'est qu'en général, je le fais juste à la limite de l'équilibre au niveau physique. À un millimètre près, soit ça tient, soit ça tient pas. L'autre qui est suspendu, c'est du fragile qui est tiré entre ce qui est plus lourd. Pourquoi cela? Il faudrait que je m'analyse. Mais je fais exprès. Mais disons que toutes ces expressions me servent à ne pas aller chez le psychanalyste. Quant au reste, ce qui est ici un phallus que le Christ tient, en fin de compte, c'était un cœur comme ça découpé. Il y a des morceaux de choses que l'on m'a cassées involontairement, qui, tout compte fait maintenant, trouvent une place, sont recyclés dans quelque chose qui deviendra peut-être aussi grand que leur point de départ. Je peux être animiste aussi, hein. J'hésite à rien sur tout ce qui est... Je suis animiste, ésotérique, je veux dire, tous les aspects qu'un être humain ait pu concevoir, tout ce qu'il trouve, tout ce, ou ses réponses, pour moi, c'est... je prends tout. L'un n'efface pas l'autre. Lorsque je vois la Lune, j'ai beau savoir que c'est un satellite, j'y vois quand même un visage. Ça ne m'empêche pas du tout de voir le visage que je suis au plus près possible. Dans le ciel parisien, c'est presque tout ce qui reste. Ah ben moi je vois, c'était plutôt... Alors ça c'est le reste du rostre de notre beau dauphin. Donc il était extrêmement agressif pour cet animal très doux. Là sont des champignons, enfin il n'y a pas grand chose qui va être à part cet os. J'y vois un masque qui semblerait comme un lapin, mais en fin de compte il est très agressif. Aufstehen, Schwarz zu erhauen, voll die Grenzen. Was willst du machen, mein Zitter erwachen? Was willst du machen, mein Zitter erwachen? Was willst du machen, mein Zitter erwachen?